Antoine Joubert pour la Coupe Nissan Micra. Je suis en compagnie de Marc Héroux, qui a beaucoup d'expérience ici sur la piste au circuit Mont-Tremblant. Et Marc, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu les technicalités dans le fond de ce circuit-là. Quelques curves en appui qui prennent une suspension donc plus ferme et d'autres curves qui sont plus serrées qui prennent des suspensions un petit peu plus molles pour être capable de virer. Donc, faire l'ajustement de ça, c'est ça qui est difficile. L'entre-deux, le sacrifice à des places par rapport à d'autres. L'autre chose, c'est sûr que le coin 8, si on manque notre coup au coin 8 en bas, qui est le curve avant la plus longue ligne droite, bien, le reste, ça nous paye. Puis avec une micro, bien, que tu perdes point 1 rendu au bout de la ligne droite, c'est une seconde. Donc, oui, technicalité est difficile, plaisante au maximum, par exemple. Oui, c'est une piste qui est rapide, c'est une piste qui est dans un environnement exceptionnel. Comment la Micra se comporte par rapport à d'autres voitures que tu as conduites ici? Je vous dirais que la Micra d'un curve, comme qu'on parle tout le temps, le 1, 2, 3, qui est le curve le plus genre dangereux, c'est super. Là. En Micra, on suit des chars vraiment performants. C'est sûr que d'un bout de droite, on se fait attraper, mais le plaisir est vraiment là. T'sais, tout le monde me demande le plaisir de tout ça, le kit, vu que tu as conduit d'autres choses. J'ai du plaisir. Je le dis, j'ai du plaisir. Puis c'est sûr que ce que je trouve dur tout le temps, que je me répète aussi, c'est le petit peaufinement, là, que là, je commence. Mais ça, c'est mon aspect que j'aime, peaufiner, puis après ça, arriver à quelque chose. Fait que... T'as fait, évidemment, tous les circuits de la Coupe Micra. Quel est ton favori et pourquoi? Tremblay est un des bons. Mon sport, avec l'adrénaline que ça donne, c'est... Je dirais que j'ai pas vraiment de circuit en préféré, mais tout en quoi. Mon sport est super pour l'adrénaline. Calabogie, techniquement, c'est aussi vraiment épouvantable. Ça prend vraiment de la tête et de la patience. Puis ici, bien, tout l'aspect autour de Tremblant, bien, ça fait que c'est une super de piste. On est en fin de saison. Comment tu as trouvé ta saison actuelle? Est-ce que tu es fier des performances que tu as réussi à accomplir? Je dirais que j'étais déçu un peu parce qu'il m'est arrivé un avarie à la première en partant et je connaissais pas l'auto, je connaissais pas ce qu'il fallait vérifier. Ça, j'ai été déçu. Là, à partir de Trois-Rivières, là, on a commencé à voir, j'ai commencé à avoir une équipe stable. Tout le monde a performé, le monde avec qui je suis sont super. Tout le monde progresse. Fait que ça, là, déjà là, puis même moi. Fait que partir avec une équipe qui était déjà établie puis embarquer dans l'auto, ça aurait été vraiment plus facile. Mais je suis content d'avoir monté tout le monde en même temps, puis tout le monde dans l'équipe monde. Fait que depuis Trois-Rivières, je dirais que oui, je suis content. Avant Trois-Rivières, tu m'aurais posé la question. J'arrêtais déçu un peu, là. Mais là, ça s'en vient. Est-ce qu'on s'attend à te revoir l'année prochaine en Microcup pour une autre année? Oui, c'est sûr qu'il y a tout le temps une question de commandite ou quoi que ce soit, mais cet hiver, je vais travailler plus fort. Cette année, on s'est pogné à la dernière minute. Cet hiver, on va travailler plus fort. Puis avec ça, ben à 99%, je vais être ici l'année prochaine. Bien, évidemment, Marc, merci, félicitations pour ta saison, puis bonne chance pour la course de demain. Merci beaucoup.